Thomas Carmois, spécialiste du saut en hauteur, se retrouve sans entraîneur après que Marc Murin ait mis fin à leur collaboration à quelques jours des championnats du monde d'athlétisme qui débutent samedi à Budapest en Hongrie. Le Carolo a confirmé à l'agence belga l'information parue lundi dans le journal Le Soir. Médaillé de bronze lors de l'Euro en salle en mars dernier, Carmois était un des pions majeurs de la sélection belge à Budapest après avoir battu son record personnel en juin dernier avec un saut à 2m29. Une marque qui peut lui permettre de viser un top 8, voire plus dans la capitale hongroise. Dans Le Soir, Marc Murin s'est dit « fatigué par le manque de professionnalisme » de Carmois dont il a fustigé le comportement lors d'un stage à Bordeaux où il était là en vacances. Le Carolo, de son côté, a été surpris de la décision de son désormais ex-entraîneur. « C'est incompréhensible qu'il me lâche juste avant les Mondiaux et à moins d'un an des Jeux Olympiques », a réagi Carmois. Jonathan Nzinga, responsable du sport de haut niveau à la Ligue belge francophone d'athlétisme LBFA, a tenté Murin de revenir sur sa décision mais sans succès. Carmois a encore confié qu'il ne sait pas comment il va aborder ses mondiaux où il fera son entrée dimanche avec les qualifications de la hauteur. Le seul entraîneur de la délégation qui a des compétences à la hauteur est Fernando Oliva mais il sera déjà pris par Norvid qui participe à la seconde journée de l'heptathlon dimanche.